Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Prey sur PC. Donc la dernière fois on s'est arrêté juste ici après avoir établi ses vrais miroirs. On va donc tout de suite pouvoir continuer jusqu'à la suite. On va sûrement se taper un monstre sur le retour. Non. Ça a l'air d'être assez calme. Bizarre. Je me demande s'il y a quelque chose ici. Demande de nouvel opérateur. Allez, tu vas me soigner, s'il te plaît. J'en ai marre de tituber, hein. Opérateur médical Transstar Pyramide. Diagnostic en cours. Aucun traumatisme ou maladie détectée. J'ai bien peur de ne pas vous être utile, à moins que vous ne vouliez une anecdote médicale. Sérieusement? Va m'aider alors que j'ai. Ok. Oh, terrible là quand même. Allez. Je viens, oui. Bon, celui-là, je peux pas encore y aller, apparemment, il faut quelques cartes. Hein. Laboratoire Black Box. Allez. On va essayer de l'avoir à travers. Bon, tant pis. C'est pas pour tout de suite, apparemment. J'ai envie de perdre toutes mes munitions et tout ça tout de suite. Ça. Ce sera pour une autre fois. Tout vu ici, j'ai l'impression. Tout vu, on peut y aller. Y a rien d'autre à faire ici, de toute façon.
On va recycler. Tiens, tu pouvais aller sur cet écran? Ah non. Si y a quelqu'un. Voilà. Ça fonctionne comme ça donc. Un peu obligé quand même, hein. Combien d'objets en tout? Ah, j'en ai un petit paquet quand même, hein. Quelques petits paquets, quelques petits objets. Votre attention. La direction de la station a lancé une alerte. Tout le personnel doit se diriger immédiatement vers les points de rassemblement et attendre de nouvelles instructions. Je vais revenir, oui. C'est pas grave, on s'en occupera plus tard. Ou pas. Gaspiller un petit paquet là quand même. Il reste un, non? Je sais pas. Je ne sais plus. Ok, pas censé m'y rejoindre toi. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Tu dois détruire Talos One, les recherches, les typhoons. Rien ne doit survivre. Toi y compris. C'est insensé, je sais. Mais tu as vu de quoi ces créatures sont capables. Elles font partie de toi.
Si ne serait-ce qu'une cellule revenait sur Terre, ce serait la fin. Je suis désolée. J'aimerais qu'il y ait une autre solution. January peut t'expliquer comment activer le mécanisme d'autodestruction. Alex essaiera de t'en empêcher. Il est allergique à l'échec. Il est bien trop fier pour rentrer chez papa et maman la queue entre les jambes. Alors, tout repose sur toi. Bonne chance. Je t'avais dit que t'aimerais pas. Bonjour Morgan, je suis January 2035. Je suis un opérateur. Il y a beaucoup d'opérateurs à bord de Talos One, mais je suis unique. Morgan, je suis votre plan B. Ma première tâche était de vous extraire de la simulation. La seconde était de vous montrer la vidéo. Toutes deux sont accomplies. Intéressant, de nouvelles directives me sont maintenant disponibles. Le protocole d'autodestruction de Talos One s'active par deux clés d'armement. Votre frère possède la première. Et vous aviez la seconde. Alex a détruit votre clé d'armement, mais vous avez caché son plan de fabrication dans le stockage. C'est là que vous devez vous rendre. Nous nous occuperons de la clé d'Alex plus tard. Les typhoons se propagent à toute vitesse, Morgan. Vous ferez la course contre eux, et contre votre frère. Cette carte d'accès vous ouvrira l'ascenseur principal et tous les laboratoires. Quelle carte d'accès ? Malheureusement, je n'ai pas réussi à remettre l'ascenseur en marche. Mais vous pouvez passer par le laboratoire de psychotronique. Morgan, c'est de ce laboratoire que le typhoon s'est échappé. Faites attention, je vous en prie. Sujet suivant. Vous m'avez demandé de vous fournir plus de neuromodes. C'est fait. Bonne chance, Morgan. Plus de neuromodes. Neuromodes, j'en ai 4. On va en garder encore 2. On peut refaire le tour de chaque zone. Bonjour, avez-vous pris rendez-vous ? Alerte système. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Diagnostic en cours. Oh là là, syndrome d'irradiation électrique. Il n'y a pas plus en forme que vous. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction. Vos commentaires nous tiennent à cœur. D'accord, enfin, je me suis dit, enfin, les... réparer de ça. Ça devenait un petit peu chiant. I did it again. y a pas la carte. Calm down, yeah. Bonjour Talos. Attention, toute tentative de modification des commandes administratives sur peur, le poste de travail ou digicode peut se solder par une décharge électrique. Bonjour, ravi de vous revoir, Docteur Yu. Une demande d'aide à la sécurité. J'essaie de
de trouver tout ce qui est possible. Il y a juste ça ici, il y a rien. Une blague. Ah, c'est... Ouais. Mike Weyer. Test lancé. Ouais, mais on peut voir un visage milieu aussi. Bon, il y a tellement de choses à voir. Je peux voir si on n'aurait pas débloqué un succès ou quoi que ce soit. Docteur Yu, bonjour, content de vous voir. Section pharmaceutique. C'est chiant qu'on peut pas ouvrir là. On va juste regarder pour les équipes tout ce qui est dans le grand hall de Talos. What? Elle est là? Ah oui, bah, c'est normal, je peux pas la voir. Je peux pas y aller non plus. Ah ouais, tout là-haut, lui. J'essaie de regarder, attends. Hein. Bon, puis c'est pas grave. Est-ce qu'on peut aller là? C'est toujours non. Normalement j'ai déjà tout visité ici, hein, mais c'est juste une visite de routine. Ah bah c'est fermé aussi. Tiens, je peux y aller. Ok. Scan de la cible. Aucun matériel alien détecté. On n'ira pas tout de suite là-bas. Hein. Bon. Toi, il y en a une qui est fausse. Les deux sont vrais. Je suis fort, moi.
Alors. La tâche 3 est une chose très importante. Parlant de ça, comment on a fait le piratage 3 pour remonter. Pour voir ce qu'il y avait là-haut. Ils perdent de temps, mais bon. Au pinball, hein. Ça pour ça, eh ben. Peut-être que je peux. Bon, ça c'est pas à câble. Hein. J'ai vu un speedrun de près, je sais pas si c'est celui-ci ou si c'est le premier, qui s'était fait en 7 minutes. Normal. Un peu fort les personnes. Donc en tout cas j'espère que la qualité de la vidéo est bonne quand même, malgré les petites chutes de frame. Bonjour Morgan, il est temps qu'on parle. Mon nom de code est December. J'ai été conçu pour vous aider à fuir Talos One. Je sais que votre mémoire est criblée de trous, mais vous avez laissé des instructions en cas d'évasion des typhoons. Alex possède un module d'évacuation personnelle. Vous avez fait une copie de sa clé de lancement et l'avez cachée dans le département Neuromode avec des provisions. Je vous transmets l'emplacement exact sur votre carte. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous aurez la clé. Qui est December? Comment on peut passer? D'accord, j'ai rien. Beaucoup d'objets ou pas? Ça va. Mauvais sens. Oh, j'en utilise un peu trop d'un coup. Ah, ça fait mal. Combinaison endommagée.
Psychotronics. C'est parti. On n'a pas encore la carte. Le département psychotronique est un endroit dangereux, Morgan. Qu'est-ce que tu cherches? Quelqu'un te vient en aide? C'est Michaela et Lazare? Je peux espionner les messages de votre frère. Nous sommes d'accord sur ce point. Sortez de là le plus vite possible. Vous devez trouver le sas de maintenance d'un tunnel de service qu'on appelle le TEG. Il vous conduira au sommet de la station. Ok. Juste ça ici, juste ça ici. Lui, il est faux. Comment il est pas faux? What the heck? Là t'es faux? Non plus. C'est obligé qu'il y en avait un faux, ouais. Allez. J'ai eu chaud. J'ai fait au pif la touche et c'était la bonne. J'ai eu de la chance. Télécharge la carte de la zone. Voyons voir ça. D'accord. Ah oui, c'est grand quand même. Ah oui. Ah là là, le chien il sait pas se taire. Le chien dehors, bien entendu. Mir, il est sage. Allez. Vas-y.
Ah bien. On va voir ce qu'il y a en bas. Peu de dégâts de prix. Ah, force 3, je peux pas. Voilà, je repasse encore ici. Force 3, elle est vraiment très important quand même. Bien ça. Donc là c'était complètement un avec cette zone. On va plus jamais la voir quoi. Voilà, elle aurait pu être totalement ailleurs. Il ouais, faudra que je revienne ici. Allez. Sérieusement. Allez. Si tu peux monter. Bon. Bouger ses caisses. Nice. Pas très bien. Nouvelle attitude disponible. Chaud.
On va essayer d'en scanner le plus possible. Ok. Allez. Scan terminé. D'autres spécimens sont requis. Ah, on peut rien. Ça va l'air. Pouvoir avancer, je veux dire. Cycloscope requis au-delà de ce point. J'en ai 4. Il faudrait encore 2. Force physique 3. Maximum. Ça m'a fait peur cette enflure. Je vois que tu as déjà compris comment fonctionne ton psychoscope. Très bien, Morgane. Je sais que tu n'en fais qu'à ta tête. Mais tu vas y rester si tu ne m'écoutes pas. Je t'envoie le code d'un coffre dans le bureau du directeur Kelstrup. Je suis sûr qu'il y a caché des neuromodes. Pour intégrer une capacité de Typhoon. On touche enfin au but, Morgane. Tu as passé 3 ans de ta vie à rendre ça possible, nous inoculer leur pouvoir. Tu l'as simplement oublié. Oui, mais nous inoculer leur pouvoir, mais à quel prix? Quel prix, mon cher? Quel prix? Quel prix et pas quel strop? LOL.
nouvelle. D'accord. Pourquoi pas? Latitude disponible. Scan terminé. D'autres spécimens sont requis. Scan terminé. Explosion cinétique de... Nouvelle attitude disponible. Rien là. Peut-être celui-là qui s'est enfui tout à l'heure. Bien entendu pas ouvert. Allez, un petit... voilà. Petit kit de secours maintenant. Il reste en garde. Pas cette pièce. Je peux pas crafter de pièces détachées, non? Non. What? Morgan, attention. Vous pourrez certes installer de puissants neuromodes en scannant suffisamment d'organismes Typhoon. Mais rappelez-vous que cette crise n'est pas arrivée toute seule. D'une part, les tourelles défensives de la station vous identifieront comme une menace extraterrestre. Et il pourrait y avoir des conséquences bien pires que je ne peux pas encore anticiper. Je ne veux pas vous perdre. Ne vous inquiétez pas, je n'utiliserai pas ce pouvoir. Crafter un certain paquet de neuronodes, ça par contre je vous l'avoue, on va le faire. Je vais passer rapidement, je mettrai sur pause.
Voyons voir ça. Donc, un neuromode. On va donc prendre ça enfin. Ah, je reviens. Me revoici, veuillez m'excuser. Ouais, parce que j'ai bientôt pris ici. C'est bon. Calvino, qu'avez-vous fait à ma salle de conférence ? Oui, justement, j'allais vous appeler. Tout ce que je vois, c'est un point. C'est ça, c'est bien ça. C'est le système de calibrage du nouvel écran tactile. Il n'a besoin d'être effectué qu'une seule fois. Vous vous fichez de moi ? Il suffit de suivre le point. Quand il passe au vert, touchez-le. Il devrait... Bordel, Calvino, j'ai pas le temps de m'amuser. Je vous rappelle. Hans, il faut qu'on parle d'analyse Gallegos. Allez. On aura de bon, non? Nice. J'ai pas vu ça. Ah là là, ça fait peur quand même ça. On se croirait dans un jeu d'horreur, lol. MDR. Pas pour tout de suite apparemment. Alors j'ai vu qu'il y avait ici, je sais pas où ça mène. Très bien. Ok, il faut donc... Ok, on va continuer un petit peu encore.
l'aviez sans doute pas vu. Ok. Bonjour, docteur Yu. Avant de faire le haut, on va faire le bas déjà. Ouais, non, finalement non. On va faire le haut. On va passer par là, d'accord. J'ai peur avec ces bruits, hein. Il a mis des notes partout. D'accord. Oh, très bien. Attendez, je me mute. Excusez-moi, j'ai éternué. Pour lire si vous souhaitez. Le tour, essayer de ramasser toutes les notes, hein. Une pourrait être très intéressante. Bon, je sais que t'es là. T'es où? T'es qui? Docteur Yu.
pas fait peur. Hein. C'est malin. Il est chargé, il est chargé. Il a même mis une note sur son tabouret. Sur ses tabourets. Bonjour. Il a caché une note derrière son écran. What the hell? Complètement psycho le mec. Aïe. Ça fait mal. C'est fascinant, n'est-ce pas? Ces filaments dorés ont quelque chose de quasi divin. On dirait être de la lumière figée. Les typhoons la tissent comme par magie. Mais pour quelle raison? On a de nombreuses théories, mais aucune réponse concrète, pour l'instant. J'aimerais que tu sois là avec moi. Pas qui tu es maintenant, mais qui tu étais avant. Je sais qu'on pourrait régler ça tous les deux. Comme au bon vieux temps. Ouais, ouais. Je suis pas si sûr de ça, tu vois. Ok. D'accord. Pardon. On va se soigner. F5. Attendez, je reviens encore. Me revoici, désolé, un appel impromptu a fait son entrée. Deux neuromodes. Typhoon, ça lag un peu. Ok, alors pour ouvrir cette porte, comment on va faire? On peut pas l'ouvrir? Bizarre. Bah ok. Non, si pour ouvrir cette porte, faut pas que j'aille là.
ça c'est fait. Non, c'est toujours pas ouvert. Là-bas non plus. Là-bas non plus. On va continuer encore un peu, hein, histoire de faire la zone ici. Alors c'est où qu'on active déjà ça? C'est là, voilà. Deux ça sur 5 ouverts. On l'ouvre juste, hein, on n'y va pas. On va pouvoir aller là-bas. Quelques petits lags par-ci par-là. Qu'est-ce qui fait trembler tout ça? Ah merde. D'accord. Bonjour, docteur Kallstrup. Je voulais savoir où en était ma demande de consultation d'un des contrats de renonciation des volontaires. Anna, vous êtes censée être en congé aujourd'hui. J'avais un peu de temps libre, alors je me suis dit... Je vous ai déjà dit que les CRV étaient des documents confidentiels. Je ne peux rien faire pour vous. Mais est-ce qu'il y a des indemnités pour les chercheurs ? Après tout, c'est moi qui appuie sur le bouton. Écoutez, je comprends. Vraiment. Je sais que c'est pas facile. Je veux juste en avoir le cœur net. Croyez-moi, tout ce que nous avons fait est parfaitement légal. Talos One est un espace extra-national. Il n'y a pas de loi. Anna, vous êtes fatiguée. Cela affecte votre jugement. J'ai été tolérant jusqu'à présent, mais cette fois, c'en est trop. Vous avez besoin de repos. Vous comprenez? Oui, docteur Kallstrup. Je comprends. Bien. Bon, à cause de vous, je suis en retard à mon rendez-vous avec Alex. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Il n'est pas trop tard pour balancer ça dans l'espace, vous savez. J'en suis sûr. Pourquoi? Vous avez des doutes? Non. Je suis avec vous. C'est pas moi qui me mets en danger. Ça finira mal pour moi dans tous les cas. Je préfère pas trop y penser. Désolé. Vous avez tout préparé? Mitchell est de la partie. Il va m'apporter de la nourriture. Je ne veux pas connaître les détails, c'est mieux que...
Vous devez agir pendant votre prochain shift. J'ai tout mis dans une boîte avec une étiquette souvenir. Voilà. Ça doit faire le tour des médias. Entendu. Et Quinten, faites attention. La sécurité m'a suffisamment à l'œil en ce moment. À la combinaison. Oh, j'ai pas vu qu'il y en avait un là. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Tant pis. On dit balle de 9 mm. Refuge point. Bonjour. Bonjour, docteur Yu. Je regardais si tout est bien noté. Hein. Si tout est bien prêt en compte, oui. Voyez, les voilà les relags. Regardez qui voilà. Inspecteur lag. Je vais réparer au moins. Eh ben non, toujours pas. Voilà, ça c'est en trop. On va voir. D'accord, et bien nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout d'abonner à la chaîne. C'était Tostel, prochain Tibon HD. Passez une bonne journée, bonne soirée et vive les jeux vidéo.